Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Oh, j'ai une tête de dingo. Je suis explosée. Alors, il est 7h33. Je vous prends super tôt. Je me suis levée pour l'école, mais genre, je n'ai pas à l'école. Il s'est levé, il avait un peu de température et il tousse de nouveau comme un tuberculeux, là. Hier, j'ai passé la journée, enfin la matinée, à attendre que le médecin de garde me rappelle pour prendre un rendez-vous. Et il a fini par dire « Oh, c'est pas urgent, il peut aller à l'école. » Et bon, là, s'il a de la fièvre et qu'il tousse, l'école ne va pas l'accepter de toute façon. Hein. Donc, j'ai dit aujourd'hui et demain, il reste à la maison, je lui ferai un mot moi-même et puis c'est tout. Voilà. Moi, je tousse toujours aussi, hein, mais là, vu qu'il a la température et qu'aujourd'hui et demain, il a sport, ça pue du cul. On l'entend tousser jusqu'en bas. Ça va être chouette quand je vais tourner mes vidéos. Parce que j'ai deux vidéos à tourner vu que j'ai pas su tourner du week-end. Samedi, je me suis octroyé une journée glandage. Je me suis dit, comme je viens de finir ma semaine d'Halloween, je peux me reposer une journée. Et je ferai dimanche les deux vidéos pour la semaine du 1er novembre. Les deux vidéos principales. Non, même pas. Mais les deux vidéos pour la semaine-là. Et ben, du coup, j'ai pas pu puisque j'ai attendu toute la matinée que le médecin de garde me rappelle. Et pour finir, j'ai dit à chérie, tiens, voilà le téléphone. Je vais me coucher, j'en peux plus, je suis fatiguée. Parce que je dors très mal en plus, hein, avec la toux et tout, je dors très mal en ce moment. Donc voilà. Sinon, mon week-end. Vendredi, j'ai fait une sieste, les amis, plus de 4 heures. Voilà, j'étais crevée, mais j'avais dormi que 4 heures sur la nuit, donc j'ai achevé ma nuit, je pense. Hein. J'ai eu la monétisation, donc j'ai commandé les goodies qui me manquaient pour le swap des filles. Puisqu'on se voit samedi, vous verrez, de toute façon, je filmerai. On se voit samedi, là, chez Amy. Et du coup, il faut que je termine le swap, absolument. Donc, j'ai commandé des petits goodies que je voulais absolument leur mettre. C'est un peu plus cher. C'est un peu cher pour des goodies, mais je voulais absolument leur mettre. Donc, voilà. Le swap, vous l'aurez le 1er décembre pour le calendrier d'avant. Ça sera la seule vidéo qui ne sera pas avec le fond de Noël, puisque moi, je vais l'ouvrir samedi soir en rentrant. Hein. Je ne vais pas attendre d'avoir installé mon fond et tout. Hein. C'est hors de question que j'attende un mois. Hein. Donc, voilà. Il n'y aura pas le fond de Noël, mais on s'en fout. J'ai fait pas mal de montage aussi, avant la sieste et après la sieste. J'ai fait montage, pour terminer les deux vidéos et les deux réels d'Halloween. Le premier, vous avez beaucoup aimé. Je suis contente. J'espère que vous aimerez toute cette semaine qui vient de passer pour vous, mais que moi, ça va seulement commencer ce soir, le reste de la semaine d'Halloween. J'ai trop hâte. Donc, oui, vous entendez le poil, hein, mais voilà, il commence à geler. Je suis gelée et je vais pas me geler les miches pour vous. Hein. Je vous aime beaucoup, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Voilà. J'ai enlevé mon fond d'Halloween donc en haut. J'ai remis le fond d'automne pour l'instant et j'ai refait mes ongles le soir. Donc voilà, Manon voulait absolument du rose, ça faisait plusieurs fois qu'elle me pompait pour que je fasse du rose, donc j'ai mis du rose, et toujours du 4 size, évidemment. C'est ma nouvelle lubie hein, pour l'instant. Samedi, j'ai encore mal dormi, et j'ai geeké la bonne partie de la journée en regardant Dexter, voilà, j'en suis à la saison 3. J'aime bien, hein, franchement j'aime bien, c'est quand même très prévisible, hein. j'ai réussi à trouver le dénouement des deux premières saisons déjà, donc... C'est un peu dommage, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'acteur. Je trouve ça top. Mais alors, ce qui est dingue avec cette série, c'est que limite, on a envie que le méchant s'en sorte et que les gentils payent à sa place. Quoi. C'est un truc de fou, quand même. Enfin, gentil et méchant. Hein. C'est vrai que c'est un peu inversé, je trouve, dans ce genre de série-là. C'est un peu comme dans l'univers, quoi. Parce que c'est un méchant, mais un gentil méchant, vous voyez, c'est un qui tue, mais qui tue que des méchants, donc c'est un peu bizarre, cette série, ça fait ressentir des choses un peu space. Et donc le dimanche, comme je vous ai dit, matinée à attendre l'appel du médecin, de garde, alors on doit téléphoner, nous, en Belgique, au 13 septembre, 13 77, je sais plus, 17h33, voilà, pour les médecins de garde. Et j'ai dit à chérie, on va appeler, parce que de toute façon, l'école va pas me vouloir le garder lundi, et ils vont me le renvoyer, et on devrait quand même courir chez le médecin. Donc d'abord, on téléphone à la centrale. La centrale vous dirige vers... prennent vos coordonnées et tout ça, pour que
la bonne truc de garde vous rappelle, le centre de garde. Donc d'abord, il y a la secrétaire qui m'a rappelé pour dire, ben voilà, je prends tous les renseignements et tout, et le médecin va vous rappeler. D'accord. Et c'était très tôt, hein, il devait être 9h quand j'ai appelé. Et le médecin a rappelé pendant ma sieste, donc il devait être 2h. Tout ça pour qu'ils disent, bon non, il n'y a pas d'urgence, il peut aller à l'école. Preuve que non, parce que là, avec sport, il crache déjà ses poumons comme ça, les est tombés, s'il fait du sport, il doit courir en plus, quoi. Donc voilà pour mon petit week-end. Là, j'attends que mes ventes Vinted arrivent sur le compte pour pouvoir commander la palette Martine que j'aurais commandée cette semaine. De toute façon, mercredi, j'ai la paye. Donc, mercredi, j'espère aller chercher mon meuble. On va regarder sur Ikea s'il est toujours en stock. Donc finalement, je vais prendre l'autre que je voulais pas de base et qu'après, chérie m'a trouvé et tout ça, tout ça. Attendez, parce que je fais n'importe quoi. Ikea. Hop, je vais regarder dans mon panier s'ils sont toujours en stock. Donc là, vous me voyez moins bien. Voilà, c'est de nouveau une page blanche. Je vais prendre que deux lots de tiroirs. Enfin, deux fois deux tiroirs, deux blocs. Donc c'est le Flaginich. Le flageolet, je sais pas quoi. Alors, sont-ils toujours en stock? Vérifions ça. Normalement, oui, puisque j'ai vérifié samedi soir et que le dimanche, c'est fermé. Ah, il y en a. Il y a un tiroir qui a été vendu entre-temps, un bloc de tiroir. Donc, je suppose que, merde, qu'il y a une bibliothèque qui a été vendue aussi. Ah, deux. Deux qui ont été vendus. Donc là, il en reste les bibliothèques, il en reste 9. Je ne sais pas s'il y en a. Et les tiroirs, il en reste 5. Et il m'en faut déjà 2. Donc. Ça m'énerve. Là, j'en ai pour 269€ comme ça. Et en dessous, je mettrai des cartons et des paniers et tout ça pour ranger mes produits ongles que j'utilise pas régulièrement, mon backup ou des choses comme ça. Et je pense que j'aurai assez avec les tiroirs. Et au pire, si jamais j'ai pas assez, je pourrais racheter au fur et à mesure un tiroir. Quoi. Enfin, je pourrais pas en acheter plus de toute façon. Voilà, donc ça, mercredi, on va aller le chercher. Je vais peut-être essayer avec chérie, demain, on aura les allocs, aujourd'hui ou demain. Peut-être essayer d'aller les chercher, chercher les meubles aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas trop, on va voir. Avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'avec avec mon bol, je commence à en avoir marre. Voilà, sinon... Bon, j'avais rien d'autre à vous dire. Là, j'attends. J'ai aujourd'hui un des goodies qui arrive aujourd'hui et l'autre demain. Enfin, les deux autres demain. Donc, je pourrais clôturer le swap. Et lui, qui me fait chier pour que je lui fasse ses crêpes. Donc, j'ai essayé de faire des crêpes, mais il faut que j'aille racheter des œufs. J'ai plus d'œufs. Donc, j'aimerais bien lui faire un gâteau de crêpes. Après, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous mettez, vous faites une crêpe, vous mettez du Nutella. Une crêpe, vous mettez du Nutella, ainsi de suite. Et puis... Après, vous recouvrez de Nutella et voilà, ça vous mettez au frais et ça vous fait un gâteau. Ma belle-sœur le fait avec du tiramisu, enfin, une espèce de crème de tiramisu, comme ça, c'est fin, bon. Mais là, comme j'ai pas de mascarpone et tout ça, je vais faire au Nutella. Enfin, au choco. C'est pas du Nutella que j'ai, c'est du Milka. Voilà, bref. Bah écoutez, moi, je crois que je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Ah, ça fait que 8 minutes que je blablate. C'est court par rapport à d'habitude le lundi. Là, je vais tourner pour la semaine prochaine le swatch and make-up de l'Equalizer 2 de chez comment ça s'appelle, Sample Beauty, et ma rotation. J'ai déjà rotationné mes produits, mais là, je vais vous la filmer. Je les ai échangés pendant la semaine Halloween. Sinon, cette semaine, j'ai des vidéos jusqu'au 24, non-stop. S'il n'y a pas de trucs qui viennent se rajouter par après. Mais pour l'instant, jusqu'au 24. Et je pense qu'après, ça sera pas mal. Peut-être essayer d'en faire une pour le vendredi 26 quand même. Puisque c'est les jours officiels de publication. Je verrai bien. Et puis après, on attaque le calendrier de l'Avent. Ça va passer trop vite. On va vite y être. Hein. Donc normalement, le calendrier de l'Avent, je commence toujours avec le concours. Mais là, ça sera le 4, le concours. Voilà, comme ça, le 4 décembre, comme ça, vous savez. Puisque le premier, ça sera le swap.
D'office et vous le mettre, j'aurais pu vous mettre le concours le 2, hein, mais je trouvais que du 4 au 24 c'était mieux que du 2 au 22. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je pouvais pas vous le mettre du 5 au 25 puisque c'est le vlog. Donc ce sera les vlogmas. On va faire 4 vlogmas, c'est ça? Il y en a 4, je crois. 4, peut-être 5 si je compte celui du 2 janvier, ouais, qui rentre dans le truc. Donc on fera des vlogmas. Voilà, tout simplement. Ça changera pas grand-chose aux autres vlogs, hein, mais c'est juste le titre qui va changer. Voilà. Bon, hier, je me suis fracassé mon genou sur le bureau. Je vous raconte pas, j'ai eu mal à mort. J'ai eu mal à mort, mais juste pile la rotule dans le coin du bureau, là. Waouh! Ça fait mal. Ça fait mal. Et ben là, je vais me préparer tout doucement. Je vais faire mon teint et aller filmer déjà le make-up. Voir à quelle heure j'ai terminé, voir si j'attends le facteur avant de tourner la rotation ou si j'ai le temps d'enchaîner la rotation ou pas. Et voilà, il faut que je up mon dada et mon perso aussi sur SSO, puisque c'est l'event d'Halloween. Donc voilà, j'ai fait que ça du week-end quasi joué. Je n'ai pas fait grand-chose, à part attendre le coup de fil du médecin. Mouah. Bref, bon bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Sauf si il se passe quelque chose, je vous reprends, mais. Ah, je ne vous ai pas montré. Hihi, la table est dérangée. Incroyable, mais vrai. Chéri, il lui a pris une lubie hier, il a rangé, nettoyé. Il était peut-être temps, j'ai envie de vous dire. Moi, je sais juste entretenir un peu, en fait. Vous savez, je ne sais pas nettoyer vraiment à fond. Puisque avec mon arthrose dans les mains et tout ça me fait beaucoup trop mal. Donc normalement il est censé le faire une fois par semaine lui à fond et puis moi j'ai plus qu'à entretenir le reste de la semaine. Mais là ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas fait. Donc c'est pas les petits coups de mop et de balai d'aspirateur qui font que la maison reste propre quoi. Bon la table risque de pas rester rangée très longtemps avec les gosses. Hein, mais on verra. C'était bordélique ici. J'en ai marre. Je passe mon temps à ranger et je fous le bordel derrière. Mais bon, ça fait du bien d'avoir rangé. Après, je vous raconte pas la gueule de mes meubles. Hein. Voilà, quand Thierry il range, il pose tout sur les meubles. Donc, il va falloir que je repasse derrière quand même. Hein. Mais je sais pas quoi. Là, j'ai un peu la flemme. J'ai envie de filmer surtout. Ça fait 2 jours que j'ai pas filmé, donc je m'ennuie. Mais c'est comme ça. Voilà. Bon, écoutez. Soit on switch, soit je reprends tout à l'heure. Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, ça change. Bon, il est 10h13, je vous reprends 5 minutes pour vous montrer. J'ai reçu le goodies personnalisé pour les filles. Je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'elle le déballe samedi ou dimanche. Donc, Manon, hein, si jamais t'as pas eu le temps de déballer le swap avant de regarder ce vlog, coupe, maintenant. Parce qu'on sait jamais. Amy, je sais qu'elle l'aura déballé directement, elle, une fois qu'on sera parti. Donc, il n'y a pas de risque. Mais Manon, elle a un peu moins le temps. Donc, voilà. Ce make-up, vous l'aurez bientôt. Et le rouge à lèvres, c'est totalement pareil et affilé partout. Oh, c'est dégueulasse. Mais regardez-moi ça. Je leur ai commandé des tasses personnalisées pour Noël. Donc, un mug. Ici, c'est marqué Merry Christmas. Et Team fracassé du sapin. Si ça va trop pas trop bien aux filles. J'aurais dû m'en faire une aussi. Mais bon, voilà. Priorité à elle. Ça vient de Your Surprise. C'est un site belge. Je sais pas s'il livre en France ou pas. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez faire plein de trucs personnalisés. Mais alors, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Et voilà. J'espère vraiment que ça va leur plaire. Donc, par contre, pour l'emballer, ça va être coton parce que j'ai pas pris de. Attendez, j'ai suivi mon rouge à lèvres, ça va aller là. J'ai pas pris d'emballage cadeau en me disant elles seront de toute façon emballées dans des boîtes séparément et je pourrais emballer la boîte. Mais en fait, non, elles sont arrivées dans une grande boîte, les deux coincées avec un plateau pour les mugs. Mais voilà, je vais trouver un système, même si c'est pas superbement emballé. Le principal, c'est qu'elles cassent pas et je sais que ça va leur plaire, donc j'ai trop hâte. Donc là, je vais tourner ma rotation et ensuite je vais aller emballer ça. Je suis trop contente et demain je reçois les deux dernières petites choses. Il y a encore un truc qu'il faut que j'aille acheter pour Amy, si j'ai le temps. On verra bien. Donc voilà. Bon, bah écoutez, du coup, on suit toujours. Alors, il est
8h, 18h, je me suis levée vers 7h. J'avais pas besoin de me lever pour Georges, mais je me suis quand même levée tôt. Je suis pas restée au lit, c'est un truc de fou. Là, je vais faire mes soins, mon teint, aller filmer ma vidéo. Et je vous reprendrai après en vlog pour commencer à vider le meuble en haut, puisque tout à l'heure, on va enfin chercher mon meuble chez Ikea. Voilà. Donc, j'espère qu'ils seront encore en stock. Les étagères, ça va, puisque c'est une bibliothèque à la base. La bibliothèque, elle est en stock, mais les tiroirs, il ne reste plus que 5 tiroirs. Et il m'en faut 2. Donc, on croise les doigts pour que ce soit toujours en stock d'ici soir. On aurait pu aller les chercher hier, puisqu'on a eu les allocs. On aurait pu aller les chercher hier, mais chérie n'était pas motivée. Donc, je lui ai dit, je te préviens, si rupture de stock égale rupture de couple. Parce que là, déjà, la dernière fois, il n'a pas voulu y aller le jour même. Et le lendemain, il n'y avait plus de stock. Et depuis, c'est un foutoir pas possible pour les stocks Ikea. Ils sont motivés hein, le matin. C'est Queenie qui est en train de jouer, je suppose. Donc voilà, là aujourd'hui, donc c'est Ikea et on croise les doigts pour que monsieur soit motivé à monter le meuble direct. Donc je vous ferai une vidéo hein, spéciale où je range avec vous le make-up. Voilà, ça fait toujours une vidéo en plus pour vendredi pour vous. Voilà, je vais la filmer demain s'il m'a monté mon meuble tout de suite. Mais bon, de toute façon, c'est vendredi pour vous. Voilà. Et donc, hier, j'ai le facteur qui m'a amené les derniers goodies à 19h30. Voilà, ouais, à cette heure-là. Donc, je vais vous montrer, comme ça, en même temps, j'explique aux filles, si jamais elles ne comprennent pas le petit mot que je leur ai mis avec. J'ai pris d'abord un bracelet. Je vais d'abord vous montrer le bracelet. Il est trop beau, c'est un style Pandora, comme ça, vous voyez, avec des gros maillons, comme ça. Et vous avez un petit cœur brisé marqué sister dessus. Et comme elles en ont chacune un demi-cœur comme ça, c'est parce que, voilà, elles ont chacune un petit bout de mon cœur. C'est mes petites sœurs de cœur. Et elles ont chacune un petit bout de mon cœur. C'est trop mignon ce que je dis, je suis très philosophe ce matin. Et je leur ai pris un porte-clés marqué, alors c'est juste l'anneau normalement, la pampille comme ça. C'est un lot de 3. Je vous mets les liens sur Amazon des deux goodies. Donc, normalement, c'est juste ça. Donc, marqué Not Sisters by Blood, but Sisters by Earth. Donc, Queenie est très, très, très motivée le matin. Pas sœur de sang, mais sœur de cœur. Et moi, je leur ai rajouté des petites pampilles comme ça, enfin des petites breloques avec une couronne, hein, puisqu'elles font partie de ma famille royale, et des petites ailes, parce que voilà, ce sont mes petits anges à moi. Et voilà, donc j'espère que les cadeaux leur plairont. J'avais vraiment, vraiment très envie ça, et les tasses, j'avais vraiment très envie de leur mettre. Et comme c'est un lot de 3 porte-clés, bah j'en ai gardé un pour moi aussi. Moi, pour l'instant, j'ai juste rajouté l'arbre de vie de mon bracelet de pierre, puisqu'il s'est cassé encore. Donc, je n'essaie même plus de le mettre, de pierre semi-précieuse. Donc, j'ai mis l'arbre de vie et je vais remettre aussi la petite couronne. Il faut que je retrouve une. J'ai rangé la moitié en bas, la moitié en haut, je ne les retrouve plus. Mais je vais mettre une petite couronne aussi. Hein. Mais voilà, comme ça, on a toutes les trois le même porte-clés. Et voilà, les bracelets, j'aurais bien aimé en acheter un pour moi aussi, mais je pense que ça sera pour plus tard, puisque voilà, c'était pas donné, et c'était pas hyper cher non plus. Attendez, bah, attendez, je vais vous donner les tarifs tout de suite. Et du coup, on aurait eu toutes le même truc. Mais, attendez, parce que là, je suis sur le partenariat, ma page de partenaire, c'est pas pareil. Je retourne dans mes commandes. Alors, le lot de... oui, c'était les deux bracelets. C'était 13,99 les deux bracelets. Voilà. Bon, là, ils disent que c'est de l'acier inoxydable. J'espère que ça tienne au moins. Hein. Ça serait malheureux que ça ne tienne pas. Et le lot de 3 porte-clés était à 13,40. Voilà. Donc, c'est pas hyper cher non plus. La tasse était, les tasses étaient un peu plus chères. Mais... j'espère vraiment que ça va leur plaire. Et j'attends toujours mon liner, mon Hydra liner noir de chez Meron, mais qui vient des États-Unis. Donc j'espère ne pas avoir de frais. Normalement non, puisque la TVA est comptée sur Amazon.
Donc là, le gros format de 40 grammes, donc c'est énorme. Puisque moi, le petit que j'ai d'AliExpress, c'est un 3 grammes. Il était à 12,59 et j'avais un bon Amazon de 9,50 €. Donc je l'ai payé 3 euros, je crois. Un truc comme ça. Ou 2 euros, je sais plus. Donc je suis bien contente. Je l'ai vraiment eu pour pas cher. Attendez. Est-ce que je sais voir les détails? Afficher les détails de la commande. 3,09 € que je l'ai payé. Parce qu'en fait sur iGraal, donc vous avez le lien de parrainage à iGraal en barre d'infos, mon lien de parrainage. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous gagnez 3 euros. Entre 3 et 10 euros, ça dépend des moments, des promos qu'ils font. Moi je les gagne aussi une fois que vous avez validé votre première commande en passant par la plateforme. Et en fait, vous retouchez un petit pourcentage, hein, c'est pas énorme, de vos commandes. Mais par exemple, ça marche sur Amazon, AliExpress, Révolution. Enfin, il y a plusieurs sites, voilà, Sephora. Au lieu d'attendre, parce qu'il faut 20 euros pour déduire en argent réel, là j'ai pris un bon de 9,50 € parce que j'ai énormément d'argent en attente. Mais ça se valide pas. Je ne sais pas pourquoi ça se valide absolument pas. Ça m'était jamais arrivé avant. Attendez, je retourne sur iGraal pour vous dire. Mais je crois que j'ai plus de 40 euros en attente de validation et 42 euros en attente de validation. Et j'en ai pas qui se valide en fait. Vous voyez? Je sais pas pourquoi. Donc, ouais, 42 euros. Je sais pas pourquoi ils se valident pas d'ailleurs. Voilà, j'ai Sephora et Your Surprise, parce que les tasses que j'ai commandées, il y avait aussi un truc. Révolution et AliExpress, ça se valide assez vite. Cashback Filleul, voilà, j'ai gagné 1 centime. Là, il y a quelqu'un qui a fait une commande, j'ai gagné 1 centime. Hein, c'est vraiment riquiqui. Hein. Bonus de parrainage, 3 euros. Donc, j'ai fait un parrainage, mais la personne n'a pas encore passé de commande. Donc, du coup, ça ne se valide pas, c'est en attente. Cashback Filleul, la 13 centimes. Vous voyez, c'est vraiment très peu. Hein. Est-ce qu'ils disent combien j'ai gagné depuis le tout début? Je crois qu'il y a moyen de voir ça, mais je ne sais plus. C'est pas énorme, hein. Franchement, c'est pas grand-chose. Mais bon, ça met toujours un petit peu de beurre dans les épinards. Hein. C'est pas négligeable. Voilà, et les chèques cadeaux. Vous pouvez à partir de 15 centimes. Donc voilà, Amazon. Je trouve ça bien. Et vous le recevez tout de suite par email. Et ça se met, vous le mettez dans votre truc. Donc vous avez de toute façon le lien dans l'onglet, enfin dans la partie de mes parrainages en barre d'infos. Et la vidéo explicative, elle date, hein, parce que ça fait vraiment très longtemps que je suis chez eux. Avant, j'avais des partenariats réguliers avec eux, donc du coup, vous gagnez 10 euros et moi aussi à chaque parrainage. Mais ils ne le font plus, donc voilà. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais tourner le swatch and make-up de la palette Sigma que m'a envoyé Maryse. Et après, je vous reprends pour ranger, enfin, déranger plutôt mes produits. J'ai déjà commencé, j'ai vidé j'ai presque tout vidé le meuble où il y a mes produits pour les ongles. Je les ai mis dans des cartons, puisqu'au final j'utilise tout le temps les mêmes produits qui sont dans un petit panier que je monte et je descends pour faire mes ongles. Donc je les ai mis dans un carton, puisque je vais prendre que deux tiroirs, mais bon, je vous expliquerai mieux. Et en dessous, je vais mettre des cartons. Je voulais acheter des blocs de rangement comme j'ai ici au salon, mais c'est cher. Donc je vais mettre des cartons. Ce sera pas très esthétique, très joli, mais écoutez. Hein. Voilà, bon. Et bien sur ce, je vais faire mes petits soins tranquilles, aller brosser mes dents, attendre un peu et faire mon teint, aller filmer ma vidéo, dérusher, je pense, ou je vous reprends avant, je sais pas, enfin, de toute façon, je vais faire ça aujourd'hui, et on préparera le meuble. Bon, il reste plus qu'à espérer qu'on est encore en stock quand Chéri il rentre. Donc là, quand il m'envoie un message quand il part du boulot, comme ça je me tiens prête et puis on part direct. Quand il arrive. Hier, on avait largement le temps d'aller le chercher, mais il n'était pas motivé. Hein. Je sais pas ce que ma mère Queenie, elle fait. Hein. Elle est déchaînée. C'est toujours elle qui fout le bordel le matin, de toute façon. Hein. J'ai pas besoin de me retourner pour voir. Hein. N'est-ce pas ma mère Queenie? Ah, là, c'est Luna.
papa est en train de jouer avec les jouets. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Vous bougez les gens. Donc là, il est 11h50 et des cacahuètes. Je vais commencer à virer un peu ce qui traîne sur mes meubles. Je vais tout mettre sur le meuble ici, de toute façon. C'est ma chaise qui tourne toute seule. Puisque je vais essayer que chérie me monte le meuble en rentrant. Et comme ça, demain, je peux vous filmer le rangement pour vendre la vidéo de vendredi. Donc là, je viens de finir de tourner la vidéo. Vous aurez ce make-up dans la semaine. J'ai déjà rattaché mes cheveux parce qu'ils m'emmerdent. Et quand je veux faire quelque chose, mes cheveux ne doivent pas m'emmerder. Sinon, c'est là que j'ai envie de les couper. Voyez. Donc, j'ai déjà viré ce qu'il y a sur les étagères. Parce que là, il y a des trucs... ouais, j'ai même pas besoin de les mettre en carton. Il y a juste... Bon, je vous le dis déjà... La palette Sigma, donc c'est avec celle-là que je viens de me maquiller. Je vais la mettre sur Vinted, puisque, voilà, vous verrez dans la vidéo, c'est mardi, je crois. Je vais mettre le bronzer Focalure aussi, puisque j'ai déjà plein de bronzers, et même que je l'adore. Franchement, je l'aime énormément, mais il y en a d'autres que je préfère et que j'aurai jamais ma vie pour les terminer. Et le blush Patrick Ta que je vous avais mis dans la rotation que vous verrez mercredi. Le She Sincère. Alors, je l'ai essayé aujourd'hui. J'ai remis un autre par-dessus parce que il est nude comme j'adore. Mais il ne se voit pas assez, en fait, sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, là, j'en ai remis un autre plus peps dessus. Après, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les blushs qui se voient beaucoup. L'autre, par exemple, c'est celui que j'avais testé dans le crash test. Et vous voyez, il est beaucoup plus peps. Donc, celui-là, je vais le mettre sur Vinted. C'est rien que je garde des produits que je ne vais pas utiliser. Voilà, tout simplement. Donc, ça ira sur Vinted. Bon, je vais déjà virer. J'ai un carton ici. Je vais mettre dans mon panier les parfums pour ne pas les abîmer. Voilà. Hop. Oh, ben, j'ai pas mis de parfum. Je vais mettre... Le Nox Olympia, c'est bien le Olympia. Ah non, c'est le Amber, c'est celui-là, le Olympia. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est celui-là. Je vais mettre celui-là aujourd'hui. Il ne fait pas partie des parfums que je dois terminer, mais... Ah, oh, sentez-moi cette odeur, les gens. Ça sent tellement bon. Vous avez mon code promo en barre d'infos. Bon, alors... Il faudrait que j'enlève le plastique de celui-ci parce que ça reflète. Il faudrait que je pense après. Voilà, on va taper tout là. Hein. On va pas chipoter. Ça, je vais les accrocher ici pour l'instant. Ça, je vais mettre ici. Les rouges à lèvres, on va poser pour l'instant. Il va y en avoir du rangement, les gens. C'est surtout les palettes qu'il faut que je mette là. Pas les casser. Alors là, si je casse une palette, ou que mon chéri casse une palette, je lui casse la gueule. Parce que c'est largement un motif de divorce, moi je dis. Ça va plus ressembler à rien, mon fond. Hein. Il va être affreux. Alors, on va enlever les palettes. Je vais les mettre par taille hein, pour éviter que ça se casse la gueule. Vous voyez que mon cul, là, vous allez voir les dégâts palettes. Hein. Une pyramide de palettes. Alors les Flawless. Bien que j'en ai vendu une bonne majorité, il en reste encore. Hein. Voilà.
Alex. Alors, je vais mettre celle-là ici. Du coup, j'en profite aussi pour enlever celle-ci de Pat McGuas. C'est le quad que j'ai testé, le lumineux. Je le garde avec les quatre phares lumineux parce qu'ils sont canons. Voilà. Les Color Pop. Ça, je garde tout parce que je les adore. Les Huda Beauty aussi. La petite Natasha Denona que m'a offert Marion. Et le quoi de Charlotte Tilbury là enfin, je vais l'enlever aussi. J'ai pas testé, mais j'utiliserai absolument pas. Donc voilà, comme ça vous savez ce qui va finir sur mes têtes. Ah ben voilà, j'ai déjà fini de virer les étagères. Alors ça, c'est les palettes qui me restent à faire en swatch et make-up de la part de Maryse. Une BH, Colourpop, 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 Colourpop et une Huda Beauty. Donc, je vais les mettre ici. J'ai la Norvina ici parce que j'en ai besoin pour une vidéo. Donc ce qui est pour ma vidéo, je vais tout mettre ici dedans. Comme ça, je ne cherche pas après. L'highlighter Pat McGuas, il finira sur Vinted aussi, sauf que là j'en ai besoin pour une vidéo. Et puis je le mettrai en vente après puisque je préfère le Nabla. C'est celui que je porte aujourd'hui, le Nabla. J'arrive pas à l'ouvrir en plus. Voilà. Donc voilà pour ça. Je vais mettre le bordel que j'arrive encore à mettre dedans. Il faut juste que je fasse gaffe de ne pas faire tomber la Norvina parce qu'elle a déjà souffert la peau. Voilà. Donc, je vous ai pas précisé, mais je tourne avec avec mon téléphone, c'est beaucoup plus facile. Ça, je vais mettre sur mon bureau. Ici, bien que Chéri risque d'avoir besoin du bureau, donc je vais laisser quand même la place principale ici et mes pinceaux sales ici. Voilà. Donc ça, je peux enlever. On s'en servira dans l'autre meuble. Ok. Donc, les tiroirs. Alors, ici. Ah oui, ça, il faut que j'aille chercher la pièce. Ça, c'est. Ah, ça aussi. Tous mes trucs water decal et tout ça pour les ongles. Je sais pas où je vais les mettre. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, mais j'aimerais bien les mettre dans une boîte plus petite. Parce que là, ça me prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Ça, c'est vite. Et ça, c'est lui. Donc, je peux enlever le plateau. Hop là. Voilà ce qui me sert de rangement. Et je verrai si ça me servira dans le autre meuble ou pas. Ou ça. Je vais acheter des trucs actés. Ça vient de chez Action, hein, tout simplement. Et il rentre bien dans les Alex. Ah, tiens, j'ai encore des petits trucs comme ça pour faire mes liners. Voilà, donc là, il faut juste que j'aille chercher ma belle boîte que j'avais de la part de ma mère en bas. Et il y a déjà un truc de tiroir de vide. Alors, ici, c'est les rouges à lèvres et patati et patata. Et il y a un petit peu du bordel. Donc, on va tout taper comme ça dans le carton pour l'instant. Ma boîte police. Ah oui, c'est mes houppettes qui sont dedans. Hop là, pareil, je récupère le petit truc. Alors, les paillettes, on va regrouper tout dans la boîte, puisque c'est une boîte que pour l'instant je vais laisser comme ça dedans. Vous voyez, c'est les mêmes boîtes, le truc à thé, comme ça.
n'y a plus rien au fond. Voyons. En dessous, c'est le produit teint. Là, c'est le carnage. Donc, je vais mettre ce que je peux dans les boîtes. En même temps, j'ai pas grand chose. Tout est déjà dans des boîtes, des compartiments. Donc, il faut juste que je fasse comme ça et que je sorte les trucs un par un. Que je sais pas où je vais les ranger. Ça, c'est une boîte de rangement. Ça, c'est des petits rangements faits à l'imprimante 3D par le chéri de Amy. Et je trouve ça bien pratique. Voilà, une brosse à cheveux et trois tailles crayons hein, en stock, comme si j'en avais besoin de autant. C'est un truc de fou. J'ai gardé celui-là parce qu'il taille bien. Les autres, c'est des Max & More. Je vais les jeter. Et hop, un petit tissu rose. Alors, ici en dessous, c'est tout ce qui est make-up artistique, strass, paillettes et compagnie. Je sais plus. C'est un truc de fou. J'ai beaucoup trop de portails. Ranger les strass ici. Oh, j'ai mis qui chatouille. Une face gem. Il faudra que je nettoie d'ailleurs ce que j'ai utilisé. On va mettre en carton et le reste je peux laisser comme ça. C'est plus ou moins rangé. Quand je dis plus ou moins, c'est vraiment un plus ou moins moins. Des fards d'Halloween, fards de poubelle. Je ne sers pas. Normalement, j'ai du faux sang aussi. Ouais. Bon, ça, j'ai quand même gardé, ça peut toujours être utile. Les strass encore, et encore, les fossiles. Alors, j'ai toutes les paillettes comme ça qui viennent de chez Action. Je ne sais même pas si je vais les garder. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et voilà. Celui-là, il est vide. Et le dernier, c'était mon backup que j'avais déjà vidé. Donc voilà, c'est officiellement vide. Maintenant, il y a du bordel partout. Je vais mettre ce qui est là, je vais mettre sur mon meuble derrière. Comme ça, chérie, il y a de la place pour travailler, ce qui est là aussi. Et voilà. Vous voyez le désastre. Et ouais. Et pourtant, je fais du tri régulièrement, hein, c'est ça le pire. Mais bon. Donc normalement les caissons Alex chérie les récupère pour se faire un établi en bas. J'espère qu'il va pas me dire oh mais je les descendrai plus tard parce que j'ai pas de place pour les stocker ici. Donc on verra bien. J'espère qu'il va pas me faire ce coup là parce que je crois que je le tue. J'ai très envie de le tuer en ce moment. J'ai des envies de meurtre. Ben voilà, ben écoutez, de toute façon moi je vais ranger ça demain ou après-demain quand il m'aura monté le meuble. Je filmerai avec vous pour faire une vidéo rangement make-up tout simplement. Et je vous montrerai le rendu quand même vite fait en vlog. Pour vous faire un petit spoil. Voilà. Je rentrerai pas dans les détails, mais je vous montrerai ce que ça donne au moins. Et voilà. Bon, allez, sur ce, on suit toujours. Et croisez les doigts pour moi pour qu'il y ait encore du stock chez Ikea quand on y va tout à l'heure. Il ne reste plus que 4-5 heures à tenir maintenant. Donc il n'y en avait pas de vendu depuis ce matin. J'ai été vérifié tout à l'heure. Voilà, allez, on switch. Alors, il est 8h10. Je vous prends avec ma tête de cul du matin. Bon, je suis réveillée depuis 6h30, mais voilà. Donc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, on a été chez Ikea. Et j'ai trouvé tout mon meuble. Chérie me l'a monté. Et j'ai commencé le rangement à vous filmer. Vous l'aurez mercredi, du coup, puisque j'ai mis un sondage sur Insta. Et vous ne voulez pas attendre vendredi prochain? Enfin, qui vient, donc vous l'aurez mercredi. Donc on rangera ensemble, hein, c'est rien d'incroyable. Mais comme ça, vous voyez un peu ce que vaut le meuble et comment j'organise, voilà. En sachant que ça changera certainement, puisque ça va être au fur et à mesure que j'utilise, que je verrai si j'ai rangé comme ça me convient. Donc voilà pour ça. Là, je vais, je vlog. Sans avoir allumé le poêle pour pas vous déranger, mais du coup, vous avez une mamie fichtique devant vous. Je vais allumer le poêle juste après ça. Voilà, je suis trop gentille avec vous.
Puis j'irai achever le rangement en haut et on verra déjà où ce qu'on en est. Là, ce matin, j'ai déjà fait un montage et j'ai déjà passé des commandes. J'ai pas encore eu la paye, mais avec PayPal, j'ai pu anticiper les paiements. Merci PayPal. Donc, hier, j'ai également commandé la palette Martine, la 669, que j'ai très hâte de recevoir et de tester, que vous avez très hâte que je teste également. Ce matin, j'ai fait une commande Boozy Shop, hein, qui était prévue. Une qui n'était pas prévue, par contre, c'est la Maki Beauty. Mais ils ont sorti la collection Bébé Yoda de chez Mad Beauty. Alors, j'ai pas pris la palette ni la brosse à cheveux, hein, parce que la brosse à cheveux, j'utilise que celle que j'ai là. Et la palette en soi est pas très intéressante. C'est juste la pochette qui est trop jolie, mais voilà, j'ai quand même pas exagéré. Parce qu'elle était quand même 14 balles. Donc, 14 balles pour laisser traîner en haut, je préfère la mettre dans autre chose. Et j'ai fait ma commande Glisten Cosmétique. Je crois que c'est la commande que j'ai le plus envie de recevoir. Donc c'est, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, oh, j'ai l'oreille qui me chatouille. Vous faites vous-même votre palette d'hydraliner. Vous choisissez les teintes que vous voulez. Là j'ai pris une palette de 15 fards, hein, évidemment, enfin de 15 pannes. Et j'ai pris beaucoup de splits, comme ça me fait à chaque fois deux en plus. Et comme j'avais un bon de 25%, j'ai payé 68 € à la place de 90 €. Enfin 91, puisque c'est 90,95 € la palette de 15 fards. Après, vous avez le choix entre 4 et 9 aussi, hein, pour faire moins cher si vous n'en utilisez pas aussi souvent que moi. Je vous mets le lien, puisque ils ont un programme d'affiliation. Donc, je me suis inscrite et je vous mets le lien affilié en barre d'infos. Et je vous mets également le code. Faudra que je vois si j'arrive à le retrouver. C'est un qui m'avait envoyé. Donc, si jamais le code ne marche pas, ce que vous faites, vous laissez votre panier en suspens. Et il m'avait envoyé les 25% par mail en me disant dépêchez-vous avant qu'il ne sauvegarde plus mon panier, quoi. Donc j'avais reçu un bon de 20% et il y en avait un que j'avais trouvé sur internet de 20% aussi. Donc voilà. Là pour l'instant il y en a un de 20%. C'est le code Spooky pour tout ce qui est liner d'Halloween. Enfin split liner d'Halloween. Donc voilà. Donc j'attends pas mal de commandes. Boozy Shop, je l'aurai demain. Il y a quelques produits qu'on testera quand je ferai le swatch et le make-up de la palette Martine, même si je vous aurais pas déjà tourné le haul, je le tournerai après, ou je l'aurais peut-être déjà tourné, mais vous l'aurez qu'après. Je vais voir quand est-ce que je le poste, si j'attends de recevoir aussi Maki Beauty. Maki Beauty, j'ai fait livrer à la maison encore 6,90 € de frais de port cette fois-ci, ça va. Mais c'était juste pour les masques Bébé Yoda. J'ai pris un masque visage, hein, un cheat mask. C'est juste pour le fun, quoi, parce qu'ils ne sont pas donnés quand même à les Mad Beauty. J'ai pris 5 patchs pour les yeux. Comme ça, je vous en mettrai un dans chaque lot des concours, enfin, du concours de Noël. Et j'en aurai 3 pour moi. Et les baumes à lèvres. Voilà, comme ça, je peux garder après le petit gugus pour mettre en déco dans mon fond aussi avec l'autre. Voilà. Et j'ai pris une huile pour les cheveux. Il faut que j'arrête avec les huiles pour les cheveux, mais j'en ai trop. Mais bon, vous verrez bien, ça je vous filmerai le haul, je sais pas combien de temps, il dit 5 à 10 jours, mais ça va quand même relativement vite. Je crois que c'est en moins d'une semaine, en principe je reçois Maki Beauty. Et Glisten, il dit c'est entre 10 et 20 jours. Donc ça je pense qu'on fera peut-être une vidéo dédiée, ou pas, je sais pas, ou dans un vlog, je vous ferai les swatchs de tous les liners cake. Je sais pas, on fera ça soit en vlog, soit dans une vidéo dédiée, je verrai bien. Comment je serai motivé, mon planning, comment est-ce qu'il avance. Parce qu'il faut vraiment que je prépare aussi les vidéos de Noël. Il hein. Faut pas que j'oublie qu'après il y a Noël. Donc ce mois-ci, s'il y a des trous, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Là, il me reste à finir le rangement make-up pour la semaine prochaine pour vous. Hein, donc pour mercredi. Le swatch et make-up de la Martine que je vais essayer de vous mettre lundi ou mardi. Enfin, dès que je la reçois, quoi, comme d'habitude. En principe, quand c'est des nouveautés, j'essaye de les faire assez vite. Bien que ce soit plus vraiment une nouveauté, puisqu'il y en a déjà beaucoup qui l'aient testé. Et une pour samedi éventuellement. Donc soit je fais celle de samedi et je filme l'intro en étant maquillée pour le rangement make-up. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop.
Et puis j'ai le Queen of the World pour le mercredi d'après à tourner. Oh, je suis fatiguée. J'ai mal dormi. Enfin, non, j'ai bien dormi. Oui, non, j'ai bien dormi. J'ai dit n'importe quoi, mais je suis fatiguée quand même. Je suis montée tard. C'est ça le problème. Donc, bah écoutez, voilà. Je vais vous reprendre après en haut au téléphone pour vous montrer un petit peu ce que ça en est pour le meuble, le rangement du meuble. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque ça, vous aurez tout dans la vidéo de mercredi. Donc, voilà, comme ça. Si vous voulez en savoir plus, il faudra regarder la vidéo mercredi. Voilà. Bon, ben on se retrouve en haut après. Je crois que je vais d'abord aller me refaire un café. J'ai pas assez de vitamines dans le corps là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis trop contente. J'ai trop de place maintenant, hein. Clairement, j'ai trop de place. Donc, bah ici, vous avez les palettes. Bon, il y en a encore que je dois ranger, mais que je dois d'abord faire les swatches et le make-up ou utiliser pour une vidéo. Mes parfums, tout ce qui est produits lèvres et mes paillettes, liner pailleté et chrome. Donc, dans les deux premiers tiroirs, pour l'instant, il n'y a rien. Ici, on a les produits teint principalement, les crayons pour les yeux, les hydraliners, les glosses à effet, rouge à lèvres à effet. Ce que je dois terminer. Et ici, en dessous, on a tout ce qui est paillettes, strass, déco, fossiles. Enfin, voilà. Là, c'est pour pouvoir faire du bricolage quand j'ai besoin pour les make-up artistiques. Voilà. Donc j'ai mis dans ce tiroir-ci parce que une fois que je suis assise, c'est plus facile pour moi de les avoir sans devoir me lever à chaque fois que j'oublie un produit. Et voilà. Et pour voir ce que je vais mettre dans les deux autres, ben faudra regarder la vidéo de mercredi. Mais j'aime beaucoup le rendu pour l'instant. Voilà. Et il est super costaud, quoi. Franchement, je suis agréablement surprise. Donc il faut que j'aspire là où je me suis affoirée et j'ai oublié de monter l'aspirateur. Et voir ce que je laisse dans les cartons ici en dessous ou ce que je range. Voilà. Et la journée sera déjà pas mal entamée, je pense. Alors, il est 7h45. Je vous prends super tôt. Je suis totalement explosée. J'ai très, 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 très peu dormi. Déjà, on est monté tard. J'ai eu du mal à m'endormir. Et d'un coup, juste quand je commençais à m'endormir, j'ai eu un coup d'acidité dans l'estomac puissance 15 et après j'ai fait un malaise, j'ai fait une chute de tension quoi. Donc j'ai dû redescendre, manger un bout, prendre une pastirénie, fumer une clope, attendre que ça passe, j'avais la tête qui tournait et tout, je me sentais pas bien. Donc du coup je suis remontée me coucher, il était 1h30, plus le temps que je m'endorme, hein, comme d'hab, et à 6h30, le réveil sonnait, quoi. Donc, je suis totalement explosée. En plus, je vais pas pouvoir faire de sieste parce qu'il y a mon Colibri Boozy Shop qui arrive dans l'après-midi. Il y a ma palette Martine qui arrive, mais ça sera sûrement du matin vu que c'est la poste. Mais PostNL, en principe, vient entre 2h30 et 4h30. Mais là, c'est marqué entre. Oh, je vais vous dire ça tout de suite. J'en vais vérifier. C'est marqué entre 13h15 et 17h15. Donc, je pourrais pas faire de sieste. Donc voilà, je suis totalement crevée. Je ne sais pas si je vais filmer aujourd'hui, je pense pas. Je vais me reposer. Vous avez l'aspirateur qui est dehors parce que je dois aspirer la cage, j'ai chichou. Là, je vais allumer le poêle parce que je me les gèle, hein. Vous voyez comment je suis trop gentille avec vous. Je me les gèle juste pour pouvoir discuter avec vous sans le bruit du poêle appelé derrière. Et j'étais en train de. Enfin, hier soir, j'étais en train de fignoler les swaps. Voilà. Il y a de nouveau du bordel sur la table. Hein. Bon, après, c'est beaucoup ma faute. Donc là, on a. Vous voyez pas, mais là, attendez. Là, c'est un colis du swap. Donc c'est le swap. Et le colis Maki Beauty pour chacune, c'est les goodies. Et le cadeau de Noël. Voilà. On a le tabac pour Amy. On a racheté des graines pour les chiens Chila hier. On a été chez Auchan. J'ai trouvé, je peux vous montrer puisque Amy aura déjà déballé, j'en suis gardé quelques-unes. C'est pour Amy. Voilà, elle ne le sait pas, hein. Elle ne le sait pas puisque je vais lui en faire. Demain, je vais faire le gâteau de crêpes. Je pense que je le ferai avec vous d'ailleurs. Bien que ce soit pas compliqué. Hein. J'ai acheté du pralin pour mettre en même temps dedans pour faire plus croustillant.
J'ai jamais fait, hein, donc on verra bien. De toute façon, je vais devoir en faire un pour nous aussi, parce que sinon les gosses on fera, je fais un truc pour les filles et pas pour eux. Donc ça, on fera demain. Aujourd'hui, j'espérais pouvoir aller chez Action, mais chérie, il en a marre de courir. Donc aujourd'hui, il va rentrer du boulot tranquille, on ira demain. De toute façon, je vais essayer de plus rien ajouter dans le swap, parce que j'ai déjà exagéré ma race. Mais il faut quand même que moi j'y aille pour moi. J'aimerais bien achever mes décos de Noël avant qu'il n'y ait plus. Voilà, donc aujourd'hui je vais fermer les swaps. Comme ça je suis sûre que je rajoute plus rien dedans. Enfin sûr. Ça y est, Queenie se réveille. Ah non, c'est bébé Luna qui fout le bordel. Oui. Il y a toujours une des deux qui fout le bordel de toute façon. Moi, t'as bien compris. Ah bah non, elle se suit. Même Goubou, il est motivé. Voilà, j'ai oublié de vous dire, hier, j'ai commandé deux lots de deux poudres Action, les Max & More, là, Coco et Pêche, là, que j'adore, sur Vinted. Donc, il y a d'abord une abonnée qui m'a envoyé un message en me disant « Ah, oh, je les ai, elles sont neuves, je les ai jamais utilisées. Si tu veux, je te les rends sur Vinted à 4 euros les deux, prix où je les ai achetées. » Donc je lui ai dit oui, j'ai dit écoute, il faut juste que j'attende que j'ai une vente qui se valide. Donc dès que j'ai eu une vente qui s'est validée, je lui ai envoyé un message, elle m'a fait l'annonce, bam, j'ai acheté. Et il y a Vi qui m'a partagé une autre annonce, comme quoi une dame les vendait 5 euros les deux. Donc là je lui ai demandé tout de suite si elle pouvait me les mettre de côté, elle m'a dit oui, pas de souci. Et dès que ça s'est validé, pareil, j'ai acheté. Donc voilà, je vais avoir deux fois deux poudres en backup. Ma personnalité obsédée du backup est hyper heureuse. Plus Amy qui va me donner celle à la pêche. Qu'elle n'utilise plus. Voilà. Donc je devrais être tranquille, question poudre. Voilà, voilà. Sinon j'attends la palette Martine. Je pensais essayer de la tourner aujourd'hui. De toute façon, je ne peux pas vous la poster avant. Vous l'aurez demain. De toute façon, ça ne changera rien pour vous. Ou mardi, si jamais je ne me remets pas de ma nuit pourrave. Surtout que je ne peux pas faire de sieste. Je suis dépressionnée rien que d'y penser. Promo Maki Beauty, j'ai déjà fait ma commande, ça attendra. J'ai commandé les trucs bébé Yoda, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Hier au champ, j'ai regardé pour le nouveau fond de teint essence, il n'y était pas. Donc tant pis, hein. De toute façon, c'est pas, j'ai un stock de Catrice là. Et voilà, aujourd'hui je pensais vous tourner le make-up avec mes produits les plus chers. Il faut que je filme l'intro, trop de... Je suis en train de faire du montage, hein, comme tous les matins, quand je me lève, c'est le premier truc que je fais, en principe, hein, un petit peu de montage, quand j'en ai à faire. Donc là, je suis en train de monter le rangement make-up, il faut que je fasse l'intro, avec une tête un peu prépotable, donc c'est-à-dire pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Mais bon, c'est pour vous, mercredi pour vous, attendez. Je vais vous donner le planning, tiens, avant que j'oublie. Donc, on est là... Demain pour vous, c'est le swatch and make-up de la palette 669 de Martine. Mardi, swatch and make-up de la Equalizer 2 de Sample Beauty. Mercredi, mon rangement make-up. Jeudi, un swatch and make-up de la palette Sigma. Vendredi, ma rotation make-up. Samedi, peut-être le haul si j'ai reçu ma commande Maki Beauty. Parce que j'ai quand même attendu de recevoir Maki Beauty pour vous montrer la mignonitude des produits bébé Yoda. Si jamais je ne l'ai pas, ce sera un swatch de make-up, je pense. Et dimanche, le vlog. Alors, pour ceux qui vont me demander le live, on se le fera ensemble le 20 ou le 27, je ne sais pas, suivant quand est-ce que j'aurai fini de tourner mes vidéos du mois de novembre, pour mettre le fond de Noël. Voilà, pour que je puisse... Il n'y aura que la première, vu que le swap samedi en rentrant. Il faut que je prépare tout aussi avant, demain pour pouvoir filmer en rentrant. Pour l'ouverture du swap. J'ai trop hâte. En plus, je dois attendre le déballage du swap pour voir s'il y a une autre commande que je peux faire ou pas. Donc, voilà. C'est-à-dire, sur YouTube, j'aimerais quand même bien me prendre le crayon. Attendez, j'ai fermé ma page de mail, vous ne me voyez plus. Jeffree Star, le kaki. Parce que j'ai pas de kaki et un rouge. Et chez Norvina, ils ont, qui vient de les sortir, il y a un rouge. Donc, voilà, je pense que je prendrai les deux là. Je voulais passer chez Peggy Sage.
parce qu'il y a un kaki, mais un rouge, il n'y aura pas. Donc, je ne sais pas. Ou alors, la semaine prochaine, je demande à Chérie de vite m'emmener là-bas, voir si elle crayon de kaki. Je ne sais pas. Franchement, je suis là, je suis trop fatiguée. Là, je vais acheter mon montage. Il faut que je up mes dadas, parce qu'hier, j'ai fait une folie. J'ai acheté les deux dadas d'Halloween sur Star Stable. Oui, j'ai dépensé des sous, voilà, 30 balles pour acheter deux chevaux qui ne servent à rien, puisque ça ne change rien que ce soit un cheval ou l'autre. Mais ils sont magiques. C'est des chevaux magiques, ils sont trop beaux. Voilà, donc maintenant, il faut que je les up. J'arrive pas à me upper moi-même, hein. J'arrive pas à finir mes quêtes, mais je vais m'amuser à upper un dada. Voilà, deux dadas d'ailleurs, notamment. Et j'ai hâte de voir celui de Noël, mais non. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc oui, ça aussi, il faut que je fasse mon event. De toute façon, si je peux pas faire de sieste, j'ai le temps de upper mon dada, de upper mon perso et de faire mes quêtes d'Halloween. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui. Quoique je vous reprendrai peut-être juste pour qu'on visionne un petit coup la palette Martine ensemble. Ouais, allez, on va faire ça. Je vous reprendrai quand le facteur sera passé. Pas de soie de chien, hein, puisque ça c'est réservé à la vidéo, mais au moins l'ouvrir et voir ce que ça donne. On la déballera ensemble. Voilà. Bon. Du coup, ben, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais continuer à me shooter à la caféine pour essayer de me réveiller un peu le cul, là, et continuer mon montage. Et clôturer les swaps, enfin fermer les swaps. Et puis, j'aurai bien ce qu'on en est à ce moment-là, quoi. Ok, allez, à tout à l'heure. Oh là là, j'ai vraiment une tête de déterré. Bon, on va déballer ça ensemble, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je viens de le recevoir là, il y a 10 minutes. Bon, franchement, c'est un bijou. Hein. Voilà, alors c'est vrai que ça fait très Jeffree Star, on est d'accord. Après, c'est similaire, mais différent. Vous avez les petites cornures. Là. Alors, le packaging en velours, très mauvaise idée. Mais bon, voilà, tant pis, c'est comme ça. Et quand on l'ouvre, il y a donc le papier de protection qui va aller direct à la poubelle. Un superbe miroir, c'est superbement bien fait. Voilà, et les couleurs sont... Freya là, il a l'air canon. Les duochromes ont l'air vraiment magnifiques. Alors je vous la montre à l'envers. De toute façon, vous ne verrez pas grand chose ici avec ma luminosité de foufou. Mais elle est sublime. Et voilà, on rentrera dans les détails dans la vidéo sur la chaîne make-up. Mais je peux déjà vous dire que le packaging. Je déteste et que les deux noirs servaient strictement à rien parce qu'ils sont quand même très 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 similaires. Voilà, le mercredi et le Annabelle n'étaient pas nécessaires pour les deux. La teinte Sabrina, je pensais que c'était plus un beige, mais c'est un gris kaki, un peu olive comme ça. Magnifique. Alors bien sûr, le bleu canard, je crois que ça va être mon préféré. J'ai trop hâte de tester. Même le pétula, hein, ici, là. Oh là là. J'ai hâte de tester ça. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais faire mes petites photos avant de faire les swatchs. Et je ferai les swatchs, je pense, aujourd'hui. Comme ça, je prends de l'avance, vu que je ne peux pas aller à la sieste. Et voilà. Donc, vous avez une petite carte aussi, 669. Et puis, c'est marqué Abracadabitch derrière. Voilà. Tout simplement. C'est très joli. J'aime beaucoup. Totalement inutile, encore une fois, hein. Un peu du gaspillage d'argent et de comment de allez de papier. Par contre, je crois que pour celle-ci, j'ai peut-être gardé. Enfin non, j'aime pas garder les boîtes. Non, j'ai pas gardé la boîte. J'aurais bien aimé la garder pour la ranger dedans pour éviter qu'elle se salisse, mais je préfère l'exposer. Et voilà. Pour nettoyer, après, comme me disait Nymph, vous utilisez un collant là pour les poils. Mais bon, je suis épuisée. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai fermé mes swaps. L'aspirateur traîne toujours. Hein. J'ai toujours pas aspiré la cage.
Donc voilà, ils sont prêts. J'aurais plus qu'à les mettre dans la voiture samedi matin. Là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je suis en train de jouer de toute façon, puisque je peux pas. J'arriverai pas à filmer, je suis pas en état et j'aime pas filmer quand je suis fatiguée comme ça. Je peux pas faire de sieste, à moins que j'aille me coucher maintenant une heure pour être sûre. Je ne sais pas. Donc je suis en train de jouer en regardant des épisodes de Faites entrer l'accusé, Canal Crime et tout ça, tout ça. Là, je vais aller. Je vais manger d'abord parce que j'ai faim, vu que je me suis levée tôt, que j'ai pas beaucoup dormi. J'irai faire les photos de la palette, faire les swatchs comme ça c'est fait pour demain et préparer ce qu'il me faut pour demain en attendant ma commande Bougy Shop. Et voilà. Bon, bah écoutez, ensuite je jour. Alors, il est 7h33, je vous prends de plus en plus tôt. Là, je vais juste faire mes soins dans mes cheveux et me coiffer. J'ai toujours pas passé l'aspirateur dans la cage. Je vais faire ça ce soir quand ils seront dehors, ça sera plus simple. Voilà. Donc, grosse journée aujourd'hui, puisqu'hier je n'ai absolument rien foutu. Pourtant, j'ai pas pu dormir. Hein. Voilà. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il faut que je tourne absolument. Aujourd'hui, je dois vous tourner le swatch et le make-up de la palette Martine que vous aurez demain. Je dois tourner l'intro du rangement make-up et je pense que je vais tourner la moitié de mon haul Bougy Shop et Action. Comme ça, je peux ranger puisque demain, moi, je récupère les swaps. Enfin, le swap, parce que moi, j'en aurai qu'un. Ah ben non, j'en aurai deux. Donc, comme ça, j'ai de la place en haut parce que j'ai un plus petit bureau et j'ai plus d'étagères sur le côté où poser mes affaires. Donc, je pense que je vais vous le tourner en deux parties. Donc, je ne serai pas maquillée pareil et habillée pareil tout le long de la vidéo. Mais voilà, le principal, c'est d'avoir les produits. Hein. C'est pas ma tête qui vous importe dans ce genre de vidéo. Donc, voilà. Aujourd'hui, il faut absolument que je prépare tout ce qu'il faut. Bon, j'ai déjà préparé les swaps. Il me reste le sac à descendre avec les produits que j'utilise pas et que je voulais donner aux filles. J'ai trouvé une carte SD pour Amy parce que la sienne est en rade, donc comme ça je peux lui en dépanner une. Attendez, je cherche mon autre huile et faire les crêpes. Donc après, je serai pas en face cam avec vous. Je vais vous reprendre juste. Alors, je vais cuire les crêpes, je vais attendre qu'elles refroidissent pour mettre le choco parce que comme il est déjà très liquide. Si je le mets sur les crêpes qui sont encore chaudes, ça va être carrément coulant, liquide quoi. Donc, je vais attendre que ça refroidisse. Donc je vais faire les crêpes à l'avance et ensuite je vous prendrai pour le tressage. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple, hein, mais comme ça, vous voyez. Et je crois que c'est déjà à peu près tout. Je vais commencer les montages, parce que demain, comme je vlog encore... Alors, hier, parce que je monte mes vlogs au jour le jour, enfin, mes petits bouts de vlog, et après, je les assemble pour faire le weekly vlog. Hier, j'étais déjà à une heure. Donc, il y a encore aujourd'hui et encore demain. Donc, demain, je sais que ça sera assez court, parce qu'en principe, quand on se voit avec les filles, on filme... On vlog 5 minutes, mais... Comment ? On se voit pas pour vlogger, quoi. Hein. Ça, on vous l'a déjà dit. Donc, voilà. Là, le principal, c'est que on se voit, qu'on fasse l'échange de swap. Il faut que je prépare tout pour filmer le swap quand je rentre. Il faut que je prépare ce que je vais mettre comme fringue et comme make-up. Bien que je sais déjà comment je vais me maquiller, normalement. Si je change pas d'avis d'ici là. Et voilà. La journée sera déjà bien entamé quoi. Et aujourd'hui, j'ai quand même essayé d'aller faire une sieste. De toute façon, là, c'est les congés. À partir d'aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école pour Georges. Là, il a une semaine de congé. Et la semaine d'après, il y a 2 jours et demi d'école, hein, lundi, mardi, mercredi. Et il a 2 jours de congé, puisque c'est le 11 novembre. C'est bien ça ? Attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est le 11 novembre et le 12, les profonde journée de formation. Font le pont, quoi. Enfin,
Les élèves font le pont, mais pas les profs. Donc voilà. Petit retour, tant que j'y pense, sur le brumisateur, là, je vais vous l'allumer. Attendez, je n'ai pas allumé mon PC portable, je vais le brancher sur l'autre. Donc j'ai mis dans 2 gouttes d'essence que j'ai eu avec le diffuseur et j'ai mis des huiles essentielles de menthe, vu qu'on tousse comme des tuberculeux, hein, puisqu'on a tous une bronchite ici, sont toujours chez moi. Donc du coup, j'ai mis de l'huile essentielle de menthe, ça fait plusieurs... Bah, depuis que j'ai l'appareil que je fais ça. Et c'est plutôt pas mal, je le sens. Là, je l'ai mis hier soir près de moi, sur le bureau. Je sens que ça hydrate mes bronches et que ça fait du bien à mes bronches. Alors, j'espère qu'ici, il va tourner, parce que là, je ne vois pas où il est le problème. Il tournait hier soir. Ah, voilà. Donc, vous voyez, il diffuse, il faut bien mouiller la languette qui est à l'intérieur, hein, et il diffuse donc de la vapeur. Vous mettez vos huiles essentielles dedans. Alors, il fait les loupiottes et vous pouvez éteindre les loupiottes. Mais là, il continue à diffuser et si vous rappuyez une fois, donc c'est tactile, hein, il s'éteint. Voilà. Donc là, je vais le laisser tourner et vous voyez, les LED changent de couleur. C'est assez hypnotisant. La dernière fois avec Georges, on est resté bloqué dessus quand même pendant 15 minutes à regarder les couleurs quoi, défiler. Donc voilà. Mais je suis bien contente de ce petit cadeau de la part de Nox. Et ils ont prolongé, parce qu'ils ont mis un peu de temps, ils étaient en retard, ils ont mis un peu de temps à activer mon code de 20%. Donc ils l'ont prolongé jusqu'au 8 novembre. Donc voilà, comme ça vous savez, jusqu'au 8 novembre, vos commandes, si vous utilisez mon code qui s'affiche juste ici, donc MISSY, au lieu d'avoir moins 10%, vous aurez moins 20%. Et je crois que c'est cumulable avec les autres offres, ça je suis pas sûre, mais voilà. Comme ils sont un peu en retard dans les mails et tout ça, je ne vais pas leur redemander. Le vlog sera sorti avant qu'ils me répondent. Donc voilà, mais sachez que jusqu'au 8 novembre, vous avez moins 20% avec mon code à la place de moins 10. Et après, il repasse à moins 10. Voilà, voilà. Sinon, j'attends ma commande. J'ai 3 commandes en attente encore, mais c'est pour ça que je ne peux pas faire le haul d'un coup. J'aimerais bien ajouter ma Key Beauty dans le haul, mais il est en transfert seulement, donc je l'aurai que début de semaine prochaine, je pense. Donc je filmerai à part. Là, il faut que je range, je ne peux pas laisser mon bordel en haut et sur la table. Mon phare Meron est en transfert, il arrive, quoi, mais comme ça vient des États-Unis, il est parti... que le 27. Voilà. Et ma commande Glisten vient d'être envoyée. Ah, j'ai le suivi Bipost, mais ça va juste me marquer qu'il est en route vers la Belgique. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. Donc, on devrait pas tarder à arriver. Pour Glisten, justement, la palette, donc, j'aurai 15 fards. Enfin, c'est une palette personnalisée de liner, d'Hydra Liner, donc avec 15 pannes. Mais il y en a que j'ai pris des splits. Donc, ça fait 2 couleurs par panne. Je me demandais si ça vous intéressait une vidéo dédiée où je swatch tous les trucs avec vous, comme ça on découvre un peu l'opacité, la texture ensemble et tout ça, et faire un make-up avec le plus de couleurs possible. J'ai déjà trouvé sur Instagram une idée qui peut très bien me servir. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire si ça peut vous intéresser, qu'on découvre vraiment la marque ensemble, la qualité, s'il faut beaucoup d'eau pour les humidifier, enfin tout ça, et que je vous fasse les swatchs de ma palette. Voir si les couleurs pourraient vous plaire et si elles vont me plaire à moi aussi. Je me suis un peu fait engueuler par les filles. Apparemment, je crois que Manon, dans le swap, m'a ajouté un liner au moins kaki, je pense. Et forcément, j'ai acheté du kaki aussi, vous vous en doutez bien, mais il y en a un. Je ne sais pas si c'est celui-là qu'elle m'a pris, elle ne veut pas me dire. Je ne sais pas si c'est cette marque-là qu'elle m'a pris ou quoi que ce soit, hein, j'en sais pas plus. Mais il y en a un tout nouveau qui vient de sortir, c'est le T-Rex. Et oh, my god, j'ai hésité à me le prendre en mono parce qu'il n'est pas encore pour mettre dans les palettes et je ne l'ai pas pris. Donc, je sais pas. Si maintenant, elle ne me l'a pas pris, je me le prendrai peut-être quand il sortira sur Beauty Bay parce que vous pouvez les retrouver, les fards à l'unité ou en split. Hein, vous n'avez pas le système de palette, mais vous avez les fards sur Beauty Bay. Voilà. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous savez. C'est un lien d'affilié. Donc en plus, si vous passez par là, que ce soit pour Glisten ou pour
Beauty Bay, c'est affilié, donc ça m'arrange. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ça fait déjà 10 minutes que je blablate, alors qu'on est déjà dans un trop grand vlog. Après, je sais que vous aimez quand c'est long, mais voilà. Donc, je vais vous laisser là. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire en attendant qu'Emmy m'appelle. Bon, ça va être dans 15 minutes, 15-20 minutes, 30 minutes, on va dire. Donc, j'avais préparé ce qu'il faut pour faire mon teint. Comme ça, je ferai mon teint avec elle en appel. Aspirer mon poil d'abord. Il faut que j'aspire mon poil. Je ne l'ai pas allumé exprès parce qu'il faut que j'aspire. Donc, je vais faire ça avant. Me refaire une dose de vitamine parce que je suis au bout du bout. Et comme j'ai très peu dormi, encore une fois, là, il faut que... Je voulais vous montrer mes dadas d'Halloween sur SSO, mais ça sera la semaine prochaine, je crois, parce que là, il n'y a plus de place dans le vlog, il va être beaucoup trop chargé, beaucoup trop fourni. Au moins, pour une fois, ça ne sera pas une semaine où on s'est trop emmerdé ensemble. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Et il y a l'acharnement des pouces rouges sur ma vidéo. Voilà, on verra combien ce qu'il en reste d'ici demain ou après-demain, puisqu'il y en a qui vont disparaître. Là, on en est à 9. Mais il y en a 3 qui sont arrivés... à 3 minutes de publication. 3 pouces, bam, comme ça. C'est Amy, j'étais au Action. C'est Amy qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, oh, mamie, regarde, t'as déjà 3 pouces. Tu viens de poster la vidéo, t'as 3 pouces. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est sûrement des jaloux qui n'ont pas de talent. Voilà, bon, allez, sur ce, je vous reprends pour les crêpes. Alors, il est 9h39. Je vous prends vite fait avant de partir. Je pars d'ici une demi-heure. Pour aller voir les copines. Donc, hier, j'ai pas pu faire le gâteau de crêpes. Donc, elles ont des simples crêpes, puisque j'avais plus de choco. Voilà. Donc, du coup, elles auront juste des crêpes. Hein. Voilà, elles sont contentes. Et c'est déjà bien comme ça. Donc là, aujourd'hui, les carreaux sont dégueulasses, hein, comme d'hab. J'ai réutilisé, pour moi, vous avez pas encore vu, c'est demain la vidéo pour vous, la Martine Cosmétique. Je vous montre un peu plus près. Voilà. J'avais dit un make-up simple et rapide. Je me suis un peu emportée, comme d'hab. Mais voilà, et par-dessus, en coin interne et un peu ici, j'ai remis l'highlighter, je vais laver mes carreaux avec vous, l'highlighter Odden Ice. Parce que avec ma nouvelle organisation, je ne sais plus où je range les affaires. Donc le reste du vlog se fera au téléphone, hein, puisque je ne peux pas prendre l'appareil et le téléphone, c'est trop chiant pour filmer là-bas. Ça sera court, hein, comme d'hab, vous savez qu'on ne se voit pas pour vloguer ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est tout. Là, il me reste à mettre mon pantalon, parce que je suis encore en bas de pyjama, comme d'hab. Hein. Mes chaussures, ma veste. Je vais mettre mon pilou-pilou, comme ça je suis à l'aise dans la voiture. Il pleut comme vache qui pisse. Je vais aller réveiller Georges aussi, parce que... du coup, hier, j'ai filmé le hall. C'est hier ? Ouais, je crois que c'est hier. Une partie du haul pour prendre de l'avance et pas avoir les produits qui traînent. Et que je vous avais dit qu'il serait en deux parties. Et Maki Beauty arrive aujourd'hui. Voilà. Donc je pense qu'en rentrant, je filmerai vite cette partie-là. Et après, c'est pour ça que je suis là. J'ai tout préparé pour filmer le déballage du swap que vous n'aurez que le 1er décembre. Et moi, je vais pouvoir déjà voir tout ce que j'ai. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais aller achever de me préparer. Et prendre la route. Attendez, je suis un petit peu de ménage, tant pour nous, mais voilà. Ah oui, j'ai aussi remis... je rêve, mais j'ai une griffe dans mon bureau. J'ai aussi remis à l'épreuve les produits, donc les deux crayons. J'ai remis un de chaque et le NYX lingerie et le mascara. Le mascara, je l'ai utilisé en sens inverse, en fait. J'ai d'abord pris la brosse volume et ensuite définition, et c'est déjà mieux. Voilà pour ça. Donc, on se retrouve au téléphone. Je vais essayer de ne pas trop vous prendre dans la voiture, parce que c'est très bruyant dans la voiture, c'est chiant. Je vous prendrai quand je serai un peu avec les filles. Et on clôturera le vlog sur ma journée avec les filles. Voilà. Donc, ben, à tout à l'heure. Tu me mets là, comme ça on voit Manon quand même. Cucu! Il y a les Josette l'incruste encore une fois. Pourquoi tu te caches? J'ai l'air bossu. T'es grande, c'est pour ça. Grande. Moi j'ai l'air petite. Regarde-moi ça. Regarde. Les pieds nickelés. Ou les Dalton. Donc voilà, je suis... Mais t'es où? Je suis là.
Je vous prends 5 minutes pour clôturer le vlog ici avec les filles. Oui. Ah oui, les cornes, ça me va bien. Ouh, les cornes, ça me va bien. Amy m'a coupé les cheveux, regardez. Ouh, j'en ai presque plus. Donc voilà, ça bouge, hein, mais on s'est vu. Mamie tremble. Mamie à la tremblotte. On a eu des super cadeaux. Je vous montrerai mieux plus en détail dans le vlog la semaine prochaine. Montre le tien. Amy nous a fait un cadeau. On est assortis. Voilà. C'est Jessica qui les a fait. C'est Jessica. Je vous mets le lien de son compte Insta où elle fait ces choses-là. De sa boutique, voilà. Là, c'est marqué Mamie Queen. Elle, c'est la princesse. Et elle, c'est la gueuse. Ça lui va trop bien. Donc, j'avais dit qu'on clôturerait le vlog ensemble. Comme ça, là, on va rentrer. Mais oui, mais c'est toujours quand ils sont détachés. On va les déballer, comme ça on peut faire comme elles au fur et à mesure. On fait ça. Hein. Mais non, mais c'est toujours quand ils sont détachés, je joue avec, c'est pour ça que je les attache. Oh, ça fait de ses têtes. Ah bah moi aussi, oh là là là. Tiens, la connasse. On est défraîchis, hein. Ouais, on n'a plus le teint très frais, ni l'une ni l'autre. On va tourner des vidéos après. Oui, après on va rentrer et déballer les swaps. Ceux d'Emmy. Pour nous, sont juste là. On a envie de les déballer. Ah oui. Il y a un bonnet rouge dessus. Oui. Oui. C'est les autres de Noël. Hein, c'est, mais... c'est un carton sans scotch cette fois-ci. En plus. Économie de scotch. Donc voilà, bah écoutez, on va se laisser là pour ce vlog. Amy est déchaînée. Elle s'est cassée la gueule, je crois qu'elle s'est un peu cognée la tête. C'est le camping. On ne sait pas comment ce qu'elle a fait. Elle était assise sur sa chaise, les deux pattes arrière ont pété et poum, elle s'est retrouvée la gueule par terre. C'est parce que je suis trop gros, je mange trop de crêpes. Mais maintenant, ah c'est oui, c'est ça. Je lui ai amené ses crêpes. Tu lui as amené ses crêpes. Non pas. Mais comment tu veux que je mange encore en plus? Mais oui, mais c'est bon ça. C'est même pas la crêpe. Moi j'ai mangé mon tiramisu. Mon tiramisu. En deux fois, elle l'a mangé quand même. En deux fois. Et j'ai pas fini encore. Ah, en trois fois, elle l'a mangé. Et voilà, donc n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. Non, pas les pouces en bas, Amy, ça c'est toi qui as eu les crêpes, bordel de cul. Et comment est-ce que je dis déjà à la fin? Activez la petite cloche. Ah oui, activez la petite cloche. Et puis tu fais bisous bisous. Et en attendant demain. Moi je vous dis bisous bisous. Voilà, allez, on recommence. Attends. En attendant demain, moi je vous dis, toi tu dis bisous bisous. En attendant demain, moi je vous dis bisous bisous.